Yo, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Steelers, YouTuber que vous connaissez sûrement, est en train de développer un jeu. Son jeu s'appelle A Pump in Time et j'ai vu son développement sur son Twitch en live. Et il a lancé une vidéo aujourd'hui, le 11 janvier, comme quoi qu'il nous invitait, nous autres, les YouTubers, à faire une vidéo à la maison pour savoir comment est-ce que notre ordinateur est capable de runner le jeu. Mais sachez une chose, mon ordi, c'est pas le plus puissant de tout. J'ai bien misère à runner des jeux dessus. Fait que Steelers, en même temps, vont pouvoir savoir les ordi un peu plus poche, ben qu'est-ce que ça donne? Voilà, avec la superbe DeLorean à côté, super cool. Donc, c'est A pour reculer, D pour avancer. Je me souviens plus exactement de quel piton, je voulais plus attendre pour les essayer. Ok. Ok, c'est ça qu'il disait, tu peux aller sur T puis il y a des têtes de youtubeurs qui apparaissent. Oh, Donald Trump par exemple, c'est pas un youtuber. Ok, 81, mon ordi commence à laguer. Ok, on va prendre la tête de Simon. C'est vraiment hot. Coudon, t'es vraiment bon à conception de jeu. Je me souviens plus c'est quoi le nom exactement, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus et j'ai complètement réagi, ça fait un an là, dans le temps que je faisais des vidéos de merde. Oui, bon. Ok, je pèse sur E puis il y a fuck. Ok, je m'attendais comme vraiment pas à ça. Ok. Hey, salut! Et on explose! Oups, mauvais piton. Ok, le son est bug. Ok, je dirais... environ à 450, ça commence un peu à bugger, mais genre, tu vois les... On voit que ça se déplace très lentement. Ok, là ça lag. Ok. Ok. Mais à partir de 600, ça commence quand même pas mal à laguer. Voyons. Je touche à rien en ce moment là. B.A.P. Ok, je suis ok, en ce moment, ok, attends, on va quitter le jeu parce que ça commence à m'énerver. À 872, les balles, ils commencent à... t'entends un son, mais ça augmente pas plus. Fait que je dirais qu'à 872, il n'y a plus rien qui se passe. Je tiens G, je veux savoir jusqu'à quand que ça va lâcher. Quand ça va arrêter de monter, là, je tiens encore le G, là. Je le tiens encore. Je le tiens toujours. C'est encore dans le coin de 6-700 que ça commence à aller vraiment mal. Bonjour, je me cache. Ok. Ah, mes enfoirés! Ouais, bon, ok, je suis plus capable de tirer. Ok, ok, c'est des caisses de... Je comprends pourquoi je passais pas mes cours au secondaire et j'ai de la misère au cégep. C'est parce que je lis pas, c'est pour ça, c'est ça mon problème. Ok, fait qu'environ constat. À partir de 6-700, ça commence à laguer les balles.
Et je vais quand même vous tenir compte que mon ordi, ça fait 4 ans, 4 ans, ça fait 4 ans déjà que je l'ai, oui, ça fait déjà 4 ans que j'ai mon ordi. PC que j'ai vraiment hâte de changer, ok. Mon processeur, c'est un Intel Pentium avec 1.8 de GHz. J'ai essayé à maintes reprises d'essayer de jouer au jeu Getting Over It et ça marchait pas plus. Fait que dites-vous que j'ai extrêmement hâte de changer d'ordi. Voilà, donc j'espère que vous appréciez cette petite vidéo. Si vous aussi vous voulez installer ce jeu, je vous mets le lien du Discord de Steelers en description. Et abonnez-vous à sa chaîne, ça pourrait lui faire grandement plaisir. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, partagez, like, abonnez-vous. Bref, vous connaissez la méthode, les petits potes.